Pourquoi pas. Voilà. Ouais, la vie dans les... Voilà. La vie dans les bus, ça ressemblait à ça. お母さんの料理も手伝わんなら、ごちそうにするニワトリが小屋から逃げ出す。お父さん、何ぼ追いかけあっても捕まれへん。お父さん、はい、捕まえて。おじきにお客さんが来はるよ。分かってるから。ニワトリに言うてえな。とうとうとうとうとうとう。お客さんの来はる時間は迫ってくるし、その上、 玄関に言うても、バスのドアのとこですけど、その前でうちのたらい使うて行儀してた近所の子供が水のかけ合い始めて、洗濯物は濡れるわ、玄関はびしょびしょの水浸し。これ、水かけたらあかんて。あ、やめなはれ。もうこれはあかんやめてるもんね。お母ちゃん、そんな長くない。 Oui, tous les petits arrangements qu'ils avaient. Les stocks de bois, éventuellement la partie moteur qui peut être protégée pour faire quelque chose pour chauffer. Les volets de bois qui servaient aussi de store. Les espaces des roues utilisés pour faire du stockage de bois et ce genre de choses. Plein de petits hacks sur la vie dans ces bus-là à l'époque. Ouais, des ventilos comme ça, on en trouve encore partout. Bon, je suis con, par contre, j'ai mis mon ticket, je peux pas aller dans l'expo que je veux, comme ça. Pour ceux qui s'intéressent tant à la Tsutenkaku, voilà l'origine de la Tsutenkaku, le Luna Park de 1912. Et donc ça, c'est la Tsutenkaku originelle. Toute cette zone-là, au départ, c'était un parc d'attractions comme ça. Minasan, Luna Park te shitte arimasu ka? Itsuwa 明治の終わりから大正にかけて通天閣の足元にそういう名前の遊園地があったんですわ。ルナ言うたら神話に出てくる。それが10年以上前でしたろ。え、通天閣とはソグワン店。ほっといねえか。そう、ここがソーデンガ。 L'expo c'est dans 3 ans, 2025. Enfin, 2 ans et demi maintenant. イルミネーションの下に寄り添うはお粋な活動。今日は芝居に行かないかい。いえいえ、今日は活動写真よ。この蚊に聞こえくる楽団の調べに乗せて、語る言葉も随時に都会の夜は透けてゆくのでありました。ああ、素晴らしきかな、都会生活の楽しさよ。 このルナパーク、回転する乗り物や、ロープウェイなどの遊具の他にも、劇場や奏楽堂なども設けられ、大人気やったそうです。ここで楽しんだ後は、食べに行ったり、子供も大人も、ハイカラな都会の生活を思いっきり楽しんだんでしたね。 Et la nacelle, elle allait jusqu'au bâtiment qui abritait le musée.
そう思いませんか。De la ville. Donc regardez bien les costumes qui vous sont montrés. On est sur les années 20, années 30. Donc vous avez un mélange de kimono et d'années folles. Des kimonos version moderne, des costumes à l'européenne. Et les magasins commencent à se modifier. Voilà. Et donc c'est Shinsaibashi qui nous est présenté là. Je vais relancer un cycle. Ils ont toujours pas fini le maglev. Ouais, mais de toute façon, il va pas chez nous le maglev, on s'en fout, non. Maglev, il fait Nagoya seulement, c'est tout. Le maglev n'est pas du tout connecté à l'expo, hein. On n'a jamais compté dessus. Quand il veut pour me remettre la lumière, pour qu'on voit ce qui se passe exactement. La sauce. Donc là vous avez des magasins en ancienne. Vous avez les mecs en kimono avec des canotiers. Dans les années 20, vous avez aussi bien des bâtiments modernes qui viennent d'être créés que des bâtiments à l'ancienne. Vous avez de la brique de l'époque Meiji qui va être abandonnée ensuite. Il manque un petit peu, sinon. Le djinn électromagnétique. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Alors, pour la suite, vous m'entendez. Je vous mets en écran arrière, vous voyez un truc qui est dégueulasse un petit peu. Oh, le muséum, il y a un truc maintenant. Ça. Hey. Hey, on connaît ma chanson. Je vais vouloir me payer tout de suite. C'est ça. Ce guide là. Des musées. Il y a deux, trois trucs qui sont intéressants. Je vais me le procurer pour un moment. Aussi des vieilles cartes postales qui ont l'air cool. Je vous remets là où vous ne voyez rien. Il
Donc comme d'habitude, c'est des collections privées, donc on n'a pas le droit de faire de photos ici. Donc vous allez, je vais essayer de vous trouver une vue correcte. Je vais vous ajuster un petit peu.